Organisation des Deraka, organisation au cours de laquelle la ville de Saint-Luc reçoit plusieurs pèlerins. Donc nous sommes décidés, avant que les pèlerins ne soient là, de procéder d'abord au nettoyage de la ville, commencer à réhabiliter l'éclairage. Peut-être que nous n'aurons pas le temps de tout terminer, mais au moins nous allons à réhabiliter les grandes artères et procéder au saupoudrage de la ville. C'est le qui va se dérouler dans les nuits du 2 au 3 septembre et du 3 au 4 septembre. Nous appelons les populations saint-lusiennes à d'abord participer à ces manifestations et surtout nous donner le temps nécessaire. Nous avons pris des engagements et Inch'Allah nous allons les réaliser durant la durée de la mandature du monsieur le maire Mansour Faye. Donc ça demande du temps pour le faire, mais nous nous organisons et nous nous attelons à travailler pour ça. Prenons pour rien pour le nettoyage. Avec les moyens de la mairie estimés à 3 camions, un chargeur et un tractopelle, nous avons ensuite amené 12 autres camions, 2 chargeurs et une autre tractopelle. Ce qui fait au total 15 camions, 3 chargeurs et 2 tractopelles. Pour l'éclairage public, un montant d'une trentaine de millions est dégagé pour acheter tout le matériel. Je pense qu'hier, avec les chefs des services techniques municipaux, nous avons procédé à la réception. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous organisons pour que dès lundi ou mardi, commencer cette réhabilitation. Maintenant, pour le saupoudrage, un montant de 6 millions a été dégagé pour procéder au saupoudrage de la ville. C'est une opération quand même qui est... Nous sommes restés très longtemps sans que la ville ne soit saupoudrée. Nous espérons, à la fin de cette opération, que quand même il y aura moins de mouches volantes, comme vous le voyez actuellement, et moins de moustiques dans la ville. Nous ne ménagerons aucun effort pour recevoir nos hôtes, nos invités, les pèlerins dans les meilleures conditions. C'est le souhait de Monsieur le maire et tous ses collaborateurs sont ici présents et nous travaillons quand même dans ce sens. Bon, là, je vois qu'il y a mon collègue maire qui s'occupe de la devise, peut-être qu'il pourra répondre qu'il avait même piloté ça. Mais ce que je peux dire, à vieux de la paix, ce que je peux vous dire, et ça, c'est l'engagement de Monsieur le maire. Tous ceux qui occupent des espaces publics ou des espaces privés et qui n'en ont pas des ayants droit, on va les déguerpir. Je ne dis pas qu'on le fera aujourd'hui ou demain, on prendra le temps nécessaire pour les déguerpir. Maintenant, s'il l'occupe une seconde fois, la loi est claire, nous ferons appliquer la loi. Mais pour le pêcheur proprement dit, je pense que mon collègue Bal Gueye, qui est agent au maire, qui s'occupe de cet aspect, pourra plus donner d'informations. Jerejeuf, damay wax surtout monsieur le maire, bi xamni tay moy fo don tok diriger li yep. Mais obligation gouvernementale, mon motax nekou fi. Mo décidé wo won ñun collaborateur yi lu mat ay bëseug lu top. Ñu waxtaan pour xol lan lañu mëne fexé ba défar ndar mu sét, ndar lèr, ñu wañi wéñ yi
ak yoy bala suñu pèlerin di ñew ndax défé na ni événement ñaar rakay événement la bo xamni li ci ndar di ñew ci pèlerin xeyna du fi ñewat xeyna luddul tabaski mom motax bi ñu waxé lool ñu doon liggéey donc tay liñu dajalé ñongi remercier suñu mbokk mouride yi ci japp yépp tay liñu dajalé c'est pour lancer cette opération opération bi nak ñetti volé la ben volé bi moy nettoyage bi ñi def tay bëgg nañu fi wax talaté ñu door de réparer éclairage public bi bëgg nañu aussi goudi 2 au 3 septembre ak 3 au 4 septembre ñu poudre dëkk bi ñoy yépp liggéey nañ ci moyen indi nañ leen té inshallah nous allons nous organiser pour def lool du liggéey nak buy gaaw ndax bëgg ñu yakamti liggéey bi par rapport ak liggéey bi daan ko jox le temps nécessaire mais daan ko défa rapidement pour mu nekk yéne sétal dëkk bi itam yéne sétal dëkk bi itam nan ka ci won ak yek nan ka ci won ak yek xeyna bari nañu fi tew ño xamni xeyna bari nañu fi tew ño xamni mënuñu ko sax mënuñu ko sax ci walu wéré di yaram ci walu wéré di yaram ak ngantuy bari ak ngantuy bari yi bi guddé nañu fi lol ci bësu alquran bi guddé nañu fi lol ci bësu alquran ji way li dañu ko ci waran won ak yek bu baaxa baaxa way li dañ ko ci waro won ak yek bu baaxa baax yalla naka yalla dolel bu baax yalla naka yalla dolel bu baax te musul ko bu baax te musul ko bu baax li war nako li war nako ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen yenen nako yenen nako waye nak waye nak wajalu ñaari magalu ñaar rakay wajalu magalu ñaari rakay motax muni fasna yene balañ ci yegg fasna yene balañ ci yegg ñu defaraat lampe yi ci dekk bi mu leer ñu defaraat lampe yi ci dekk bi mu leer ñu sétal dekk bi tam mu sét ñu sétal dekk bi tam mu sét kon nak julit yeb war nañ ko wuy ci lolu kon nak julit yeb war nañ ko wuy ci lolu rawatene itam nak ñun talibé rawatene ñun talibé kon yalla naka yalla dolel bu baax yalla naka yalla dolel bu baax ak ñimu andal yeb ñep nak ak ñimu andal ñep yeen ñep ñu ngi leen di sante di leen gëreem bu baax yeen ñep ñu ngi leen di sante di leen gëreem bu baax kon fasiyene doli ñaan yi fasiyene doli ñaan amin amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin amin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin amin sallahu khairun hafsan wa ارحم الراحمين فالله خير حفصا وهو ارحم الراحمين فالله خير حفصا وهو ارحم الراحمين واهد الصراط المستقيم كل وجه الكثير ليس يفنى قل لي امين ان الذين سارعوا لخدمتي فلهم الديار وسط الجنه امين وقد حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم ما راموا امين امين وكل من خدمني او سار فنجيه واغفر له او سار امين الهي على خير البرايا محمد قدم سرمدا اسكى صلاة وسلم مع الآل والأصحاب ترا وردني سريعا إلى طوبى وحطني وعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اركب رم توبى رضي الله عنه ونفعنا ببركته في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين.